La diarrhée, c'est une augmentation de la fréquence, de la consistance et du volume des selles. La diarrhée peut être grave parce qu'elle peut entraîner une déperdition d'eau chez le bébé. Et le pourcentage d'eau chez un bébé est très important par rapport à un adulte. Chez un adulte, l'eau, c'est la moitié. Chez un bébé, c'est trois quarts. Chez un nourrisson, c'est les deux tiers. Donc c'est très important de savoir comment prendre en charge cette diarrhée pour qu'il ne se déshydrate pas. Alors, quand votre bébé a une diarrhée, il faut lui donner à boire. Et il faut lui donner avec des sels minéraux parce qu'il perd aussi bien de l'eau que des minéraux. Il faut le réalimenter de façon précoce. S'il est sous lait maternel, continuez votre lait maternel. S'il est sous lait artificiel, préférez un lait sans lactose. Alors pour le régime diététique, lui donner des aliments constipants comme le riz, la banane et les carottes.